Bonjour et bienvenue dans le cours sur les absences. Nous allons effectivement aborder dans ce cours les absences côté RH, c'est-à-dire voir quels sont effectivement les droits et les devoirs de l'employeur et du salarié en matière d'absence. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est qu'une absence ? Qu'est-ce que c'est que l'absentéisme ? C'est le fait d'être absent de manière inhabituelle ou systématique de son lieu de travail. On va distinguer deux types d'absences. Tout d'abord, les absences habituelles, celles que le salarié va rencontrer tout au long de sa vie de travail, c'est-à-dire en premier lieu les congés payés, les jours de réduction de temps de travail, les fameux RTT. On peut aussi avoir des événements familiaux ou encore des congés formation. Et enfin, il y a également les absences dites de sécurité sociale, parce qu'elles vont impacter la sécurité sociale, comme la maladie, l'accident du travail ou encore la maternité ou la paternité. Certaines de ces absences sont prévues de longue date et anticipées et donc ne vont pas désorganiser l'organisation du travail. D'autres, par contre, imprévues, peuvent désorganiser l'organisation du travail. Par exemple, un arrêt maladie ou encore un événement familial subi. Quels vont être les objectifs de ce cours ? Connaître toutes les absences que le salarié peut rencontrer au cours de sa vie professionnelle. Appréhender les différentes procédures RH qui concernent ces absences. Et enfin, observer les incidences de ces absences sur la vie du salarié.